Et yo les amis, c'est Maître Dragon et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera sur The Binding of Isaac. Donc la dernière fois on avait une vidéo sur The Lost et là j'avais envie de prendre notre petit Cain. On avait fait Isaac, Magdalene et suivant était Cain, donc on va faire Cain. Oh, je viens de pécho par contre, je viens de voir, putain, je viens de pécho pour faire des méga bulles. Ça fait des dégâts au moins cette conne. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Cursed Skull. Ok, comme je clean les salles d'une puissance quoi. Bon là y'a rien. Bref, j'ai pas tout fouillé par contre. On va fouiller un peu plus hein. Histoire de voir si on peut pécho des trucs assez bien. Alors par contre, commencer par cet item, je trouve ça excellent. Ok, ça c'est pas 9 vies. Est-ce qu'on prend? Ouais, 9 vies c'est bien. Ah ouais, mais ça me remet un cœur. Ouais, par contre là, c'était peut-être un peu risqué, non? Parce que je ne pense pas mourir, quoi. Si en plus on meurt, on revient avec une vie. Ouais, Larry Junior. Bon, Larry Junior, ça va, il est pas chiant lui-même. Bon, ça, ça dégage. Ça, c'est un monstre qui était en plus, hein, ça compte pas comme le boss, hein. Sinon, on lui aurait pas fait de dégâts. Voilà. Ok, oh oui, comme je lui fais mal. Oh putain, HPA, tire up et shot speed up. Donc on tire plus vite, on a plus de rush, je crois que j'ai vu range up. Je suis pas sûr, donc HP up. Donc on a récupéré le cœur qu'on a perdu. Je trouve ça clean, nickel. C'est cool. Ah par contre on les... Ah c'est bon. Ouais, on les tue en deux coups. Ouf. Oh le chanceux. Oh le chanceux que je suis. Oh des poupes. On va l'appeler les petits caca poupes. Les caca poupes. Ah, bon bah eux de toute façon c'est les mobs les moins durs qui existent. Hein. Et encore, même encore moins dur c'est... Oh la box Hack spider qui nous fait pop des araignées. Oh c'est excellent. Putain j'ai un bon objet là. Ah j'aime bien. Non c'est comment dire encore plus innocent et plus pourri ces petits trucs là les muli boom. Enfin les muli. Ce muli boom c'est avec la bombe. Donc eux ils veulent t'exploser. Mais les muli ils font pas mal quoi. Wow, y a moyen de péter ça pour récupérer ce qu'il y a dedans. Allez au moins quand même. Faut pas de clé. Oh, deux clés. Oh, bah en plus, on est récompensé de la bombe avec des clés. Bah, c'est nickel tout ça. C'est nickel. Oh, comme je les démonte. Oh, comme pas possible, quoi. Ah, j'ai vraiment eu the item pour commencer la partie, quoi. Je pense que les boss ne feront pas long feu face à moi. Alors là, mais pas du tout. Ok, donc ça c'est quoi? Une clé, une bombe, j'ai pas assez de... La pilule, j'ai pas confiance. J'ai pas encore assez de pièces pour pouvoir acheter dans le shop. Donc je ne trouve pas ça spécialement intéressant, quoi. Ouais, le temps que ça tire, c'est pas assez rapide, je pense qu'on va pas... Non, on va pas tout faire. La salle du haut qu'on a pas fait. On va regarder ce que c'est. Oh yeah, une pièce en argent. Nickel. Qui donnait 5. En or 1, en argent 5. Et les noirs 10. Monstro. Ben, on va le dépouiller. Hein. Voilà. On tire lentement, mais sûrement. Et en plus, on fait des gros dommages. C'est inside ce qu'on fait. Les dégâts sont inside. Allez, dégage. Allez. Tire ça sur shot speed up. Donc on tire plus rapidement. Non, on va pas prendre ça. On prend pas. Non, j'ai pas envie. Pas trop confiance, comme je connais pas trop l'item. Et on est bien... On avance bien. Je ne préfère pas. Cave 1. Ok. Donc ça, tu dégages.
En deux coups, on le nique, le caca qui nous poursuit. Si on a le gros qui pop des caca, les moyens qui nous courent dessus, et les petits qui font de la merde, voilà. Voilà, toi, voilà. Ah, putain, comme un con, je me suis fait taper. Ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est pas un random body? Pour avoir un body au hasard? Ah non, Rainbow Baby. Mais c'est un random buddy, ouais, c'est marqué la description random buddy. Donc c'est un, un aléatoire, un bébé aléatoire. Bon, celui-là il a l'air d'être pas mal, il a, on dirait qu'il rend amoureux les ennemis, celui-là. Mais j'en suis pas sûr. Touch Fuzzy, get Daisy. Ok, donc ça, ça nous a permis d'avoir plus de bombes. Oh putain, c'est planqué. Elle ressort, voilà. Non, je préfère peut-être que... Je préfère ça. Nickel, 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 nickel. Nickel, Madeleine. Un speed up. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on clean cette salle. Un cœur, on peut pas le prendre, on est déjà complet, on a pas mal de vie. En espérant que dans cette game, on va faire quelque chose de bien, qu'on va pas mourir. Parce que ça fait un petit... Oh, nickel, nickel, un cœur bleu. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Enfin, tout petit moment, quoi. Il y avait moins d'épisodes. Comme vous avez vu, j'ai mis à peu près du League of Legends. Il va falloir que je revienne pour Senran et Yu-Gi-Oh! Donc j'alterne avec une Halo Fantasy. Il y a de tout. Allez. Dégage. Voilà, toi. Tu nous fais plus chier. Oui, ça rend amoureux. Ok. Voilà, mon tuté. Voilà, celui-là on l'a torché. Speed up. Ah, speed up par rapport à nous. Ok. Non, le cœur il sert à rien. Donc on peut dégager, on va dire. Allez, essayer de se retaper Isaac, essayer de le faire plusieurs fois. Ce serait cool. Ah, je suis tenté par ça. Nickel. Oh, Temporary Fly. On peut voler. Oh, trop classe. Ah, mais je préfère quand même ma bombe araignée. Ah non, je préfère ma bombe araignée. Mais on est classe comme ça. Franchement, là, j'ai rien à dire. Non, le reste on s'en fout, c'est des énergies. Ouais, ça c'est bon. Ouh, ils sont rapides là. Ouh, ils sont rapides. Ouh, il y a du speed. 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 Voilà. Le taureau? Ah oui, le taureau. Le truc qui génère une rage au fur et à mesure. Ok. Ouh, j'ai pas eu... J'ai failli pas l'avoir. Oh, nickel. Bomber qui? Un échange de bombes et de clés. The Fallen. Un boss très très simple, franchement. Il n'y a pas de difficulté pour le battre, celui-là.
Voilà, comme on a clean la salle, mais... Mais trop, quoi. Et là, c'est le truc pour voler. Voilà, mais sans la statue. Mais sans la statue. Voilà, on vole, mais on n'a pas la statue. Je l'ai pété, mais temporairement, quoi. Enfin, je l'ai tué, mais dans le futur. J'ai fait la bombe, elle a pas pété, mais elle a pété après. Bon, vous avez compris, elle a tout pété. Non mais regardez la puissance que j'ai quand même, je fais assez de dégâts je trouve, c'est insane. Insane. Ah il est amoureux. Ah désolé pour lui quoi. Voilà, le caca qui pop et qui tape. Les deux caca qui te foncent dessus, mais pas vraiment, parce que il sert à rien. Oula, les trucs qui te foncent dessus, ça j'aime pas. Oh, celui-là, j'ai activé la clé sans faire exprès, quoi. Bon, allez, où, mom? Mom? Ah, il y en avait qu'une? Oula, là, oui, j'allais dire, si je prends pas de dégâts. Hé! Non, je préfère mon item quand même. Je préfère ça. Je sais pourquoi j'ai confiance en celui-là. Même si je sais pas ce qu'il fait. Mais je l'adore. Voilà. Alors je trouve que l'item Taurus est un item excellent. Mais en fait maintenant je vais prendre ça parce qu'il y a marqué Power dedans. Glitch Power. Donc ça se trouve c'est un bon truc quoi. Allez, The Adversary. Alors, s'il ne touche pas, franchement, je serais content. Ah, je serais happy s'il ne touche pas. Me touche pas, connard. Non, c'est quand il hurle qu'il va charger, qu'il va tirer. Maintenant. Voilà. Là, il a tiré. Ah putain, il revole. Un HP up? Une régénération, une HP up. Nickel. Je crois qu'on a oublié quelque chose. J'ai pas été chercher mon item dans une salle en or, je crois. Je pense que de toute façon là comme j'ai un carré, enfin un cœur en plus, même si je prends un petit peu de dégâts, c'est pas grave, parce que je vais pouvoir en récupérer juste après. Là on va faire gaffe, on va tourner autour tout en tapant. Voilà, mon cul, je me suis fait taper. Ah voilà ma salle. Voilà ma salle à moi. Je la veux. Damage, résistance. Ah bah voilà, on n'y a pas été pour rien, je trouve. J'avais un peu peur de l'item. Est-ce qu'on fait péter ça? Est-ce qu'on fait péter ça? Ouais, on fait péter ça. Voilà. Et on fait péter la petite peluche. Enfin, le petit sac. Voilà, ok, bon, bah une clé. Je prends. Moi, je suis preneur, moi. Je prends de tout, moi. Et à la suivante. Casse-toi la gueule. Voilà. Pauvre Isaac. On est dans Necropolis 2. Ultra Pride. Ouais, je pense pas qu'ils vont durer longtemps pour leur ultra, quoi. Voilà. Ça, je la garde. Tempérance. Non, c'est pas... J'ai pas envie de donner de vie. Ok, ça m'a TP dans une autre... un endroit de la map. Allez, cassez-vous. Je pète tout. Oui, nickel. J'ai pas dit je fais un pétou, hein. J'ai dit je pète tout. Je
pour lui faire un pétou. Ouais bah nickel. Voilà, allez. Deux gros dégâts. Un truc qui pète les couilles. Une box à araignée et en plus un bébé qui nous rend les ennemis amoureux. Franchement, qu'est-ce qu'on a pour... Je vois pas pourquoi on perdrait quoi. Je dis ça, ça se trouve dans cette partie, je vais perdre. Hein. Et je l'espère pas. Allez, c'est quoi? Speltra de tir. Oh la gueule! Ouh. Ouf. Je suis ignoble. Je suis horriblement ignoble. Oh. Pas moyen de faire une petite colère là bientôt. Voilà. Ok, j'ai fait bugger le monstre, regardez. Il bougeait plus. Phéromone. Ok. On passe direct. Oui, on a pu tracer. Allez, 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 allez. Ah, il est amoureux. Voilà, fais pas chier. Et ben, franchement, on clean les salles rapidement. Pourquoi on n'y arriverait pas? Avec un petit peu plus de vie, ça me rassurerait. Un petit peu plus de vie. Ice. Mais qu'est-ce que t'as à me frapper plusieurs fois, toi? Connasse. La musique est classe quand on est enfin en mode furie. Eh ben, t'as envie de me frapper, mom. Putain, ce démon, là, il se déchaîne, là. J'allais dire, si je perds pas un gramme de vie, quoi. Tire plus shot speed. On tire un peu plus vite et... Ouh, nickel. Ouh, nickel. Moi, je suis heureux, là. Si je suis heureux, vous êtes heureux, je pense. On est heureux de tous être heureux. C'est pour ça que je suis heureux de vous voir heureux quand on est heureux. Ok, c'est bon, j'arrête. Là, on est dans Utérus. Ou Womb. J'ai pas regardé. Putain, les dégâts. Amusé. Oh, j'ai failli. Ah, vous avez failli m'avoir. Oh, vous avez failli m'avoir. Oh, vous avez failli. Bande de coquines. Ah, je passe à travers leur protection. Ah ouais. Oh, des araignées gratos. Oh, des araignées. Oh oui, c'est une... Oh putain, mais c'est... Oh là là. Nickel. Non, ça je peux pas. Ça je peux pas. Ensuite, ça en pète. Ça en pète. Et ça fait des paillettes. Oh my gosh. Oh oui. Oh, c'est trop bon. C'est quoi dedans? Eternal Life. Guppy Hairball. Challenge numéro 8 débloqué. Ok, bon, je pense qu'on peut faire les autres salles. Hein. On est bien... On démonte bien, quoi. Oh, je peux survoler? Oh, c'est excellent! Aïe! Ça fait mal ta connerie! Ok, ça veut pas. Donc, on est trop près, donc voilà, il faut se barrer. Donc, en gros, je vole comme Azazel en gros. Là, je suis méga pété, quoi. Style, je vole. J'ai des mouches qui infligent des dégâts. J'ai un gars. J'ai des gros dégâts avec mes tir shots dès le début. Enfin, mon gros truc. J'ai un ami
un bébé qui rend les autres amoureux. Et j'ai 10 vies. Je peux revenir à la vie 10 fois. Non. Dis-moi pas que je suis pas pété. T'es pas pété. C'est pas vrai, je suis pété. J'ai un Ken en version Azazel, quoi. Mais sans le laser. Avec les larmes. Et je préfère avec les larmes. On peut viser plusieurs fois d'un coup, c'est plus intéressant, c'est... Phéromone. Ouais, bah je pète. Voilà. Moi, quand je pète, ça fait toujours des paillettes. Nickel. Voilà. Et en plus, me met là. Allez. C'est gratuit. Bon, en plus, on avait découvert le boss dès le début, quoi. Donc là, on peut y retourner maintenant. Bombe devient clé. Hein, quoique, vous savez, j'en avais 3-3. Bon, autant user la pilule, hein. Moi, je m'en fous à l'étape où on est jeu. Ça devrait passer... Ah, maintenant, on peut récupérer ça, c'est cool. Ça devrait passer crème. Donc là, qui sait. Death. La mort. La mort qui est morte. Voilà. Et là, je crois que c'était les 3 coeurs, non? Oui, c'était les 3 coeurs qu'on a récup, donc on va pas dedans. Alors, c'était Womb 2. Voilà. Je crois que maintenant, c'est Womb. Maintenant, ce sera que Womb, je crois. Maintenant qu'on a It's Live. It's Live. It's Live. Qu'on affronte. La musique, elle en jette. Voilà. Je m'appelle Azazel. On va pas aller dans la grande pièce. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Ah bah voilà, bah, allez, dégage. Merci, au revoir, ta gueule. C'est ça. On va faire les autres salles, hein. On s'en fout de celle-là. Oh, j'ai cru qu'il avait bugué. Ah, c'est tant qu'il se reforme tellement que je fais de dégâts, quoi. Le truc, il arrive plus à suivre. Bon, on va aller dans les autres salles, hein. Celle du milieu ne sert à rien, je pense. Elle nous amènera pas au boss. Et dans les deux cas, on verra bien où cela nous mène. Ah, il mouche. Des pilules. Allez, voilà, une petite clé pour papa, une petite clé pour papa. Alors, eh ben voilà, donc c'est directement le boss. Allons-y. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Hein. Ok. Bon bah allons à la cathédrale, hein. Moi je vous dis, hein, autant y aller. Mec, 3 coeurs, est-ce qu'on va réussir? Il nous faudrait un item. Un item pété. Un item qui nous permettrait de retourner la situation. Je parle bien de l'item le plus pété du monde. Je ne sais pas lequel je parle du tout. Et je ne sais pas lequel je veux, mais je veux un item pété. Non, 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 c'est bon, Gaston. Ah, deux Bomberman. Pétez-vous la gueule entre vous, non? Non. J'adore cet item. J'aime bien l'item Taurus, quoi. C'est un item ultra cheaté. En plus, avec les dégâts qu'on fait, comme je vous ai dit, tous les items qu'on a combinés, le bébé, le buddy bébé et tout, franchement, c'est excellent, quoi. On a tout ce qu'il faut. Regardez-moi, voilà. Allez, et puis je pop des petites conneries.
La mort. Oh, tu vas peut-être durer un peu plus longtemps que tout à l'heure. Ouais. J'avoue, t'as mis un petit peu... J'avoue. Obligé, je vais perdre un peu de vie, je pense, ouais. Mais on va faire gaffe, hein, voilà, on en tue un. Et l'autre dégage. Alors, avec 3 coeurs, ça risque d'être faisable. Isaac sera faisable. Mais ce sera un petit peu chaud parce que voilà quoi. Bon, je fais un max de dégâts aussi. Je fais pas mal de dégâts. Contre Isaac, je pense que un cœur voire deux suffirait largement. On regardera le nombre de cœurs qu'on a perdu contre Isaac. Oh, sous le converteur. On va voir la race de vie, non? Un cœur, 3 cœurs bleus pour un cœur rouge. Oh, c'est bon. Ah, la game est bonne là. C'est bon, j'ai gagné. À 100%, on a gagné la game. À 100% obligatoire, vu les dégâts que je fais. C'est obligatoire, c'est inside. Donc là, si je perds, je suis vraiment la pire des merdes, quoi. Mais vraiment, quoi. La pire de toutes les merdes. Méga merdasse, quoi. Voilà, prends ça. Les divines ne auront même pas été utiles, quoi. Et dites-vous que si on aurait eu un cœur en plus par rapport à celui qu'on a supprimé, on serait full cœur bleu. On aurait tout. On aurait 12 cœurs bleus. Putain. Je compte celui que j'ai retiré à cause de l'objet. Regardez-moi, on les élimine d'une facilité. Oh. 10 cœurs bleus, 10 cœurs bleus. Excusez-moi. On a 10 cœurs bleus, 10 cœurs bleus, c'est nickel, c'est nickel. Allez, on va regarder combien de cœurs je perds. J'en ai 10. On calculera ça ensemble. Allez. Ah oui, mais si ça se fait comme ça, c'est normal. Bon, on a perdu un cœur. Allez, allez, allez. Non mais en plus je joue comme une bite. J'esquive pas ses coups, quoi. Vous voyez, j'ai même pas la motivation d'esquiver ses coups. Je tape, je fais rien. On a perdu un cœur. Voilà, on a perdu un cœur et demi. Voilà, franchement, c'était easy. Allez. On s'en fout. The Queen back. Ok. Bon bah les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a eu fait gagner sans difficulté. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Ciao ciao Mina.